Maybe not. Kilo, did you ever get through to your wife? No, ma'am. It's like all of Hawaii went and fell off the map. It's too early to jump to any conclusions, Sergeant. Roger that. I know she'll keep the kids safe, but they're shutting down all the ports, all the airlines. What happens when I need to get home? We get through this. I think we could find room on a military transport for one badass NCO. I'd appreciate that, ma'am. I'm headed home. Le jeu est quand même pas mal, hein. Ils auraient pu quand même améliorer leur jeu quand même. C'est quand même Microsoft qui est dessus, quoi, enfin comme éditeur. Hein. C'est là ou c'est plus loin? Ah, c'est plus loin. Ah, c'est là où on a eu le docteur machin qui s'est suicidé, une balle dans la tête, quoi. Putain. Là, ce qui aurait dû être Dead Rising, quoi, franchement. Ouais. Un bon petit jeu de service, ça aurait été quand même une bonne heure. Dead Rising, c'est trop du foutage de gueule. Trop simple, même. J'aime bien me le prendre, ce putain de véhicule, là. Let's consider that done. Mission 1, je mettrai ma vie entre vos mains, Kilo. Ok. Donc, je vais mettre. Non, oh, ça, je m'en fous. Ça aussi. Ça aussi. Et ça, là, c'est bien pour. Quand notre perso est fatigué, mais. Ouais, pas besoin. Par contre, j'aurais peut-être besoin d'un aspirine, si c'est bon. L'aspirine. Par contre, je vais pas en prendre. Merde. Ah, qui couille, ouais. Voilà. C'est quoi, ça? Donc, il me faudra du 762. Voilà. Et bon. Est-ce que je peux construire un... Non, ça c'est bon. Donc, ah, j'ai pas assez. J'ai points à 6. Je cherche... Ah, j'adore. Il faut sa pote. Merde. En gros, c'est aller chercher des persos et puis basta, quoi. Ah, j'ai... Ah, attendez. Ah ouais. Je peux peut-être... ouais, ça va, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Établir un poste médical. Ah, j'ai quoi là? J'ai un lit. Nécessite de l'électricité. Ça, c'est quoi ça? Ouais. En instant. Hein. Ça, c'est la garde-manger. Ça, c'est quoi ça? Permet de réparer. Ça, j'ai envie d'en mettre un, une caserne, installer, une creuser. Excellent. Un générateur, une forêt. Un atelier. Voilà, on va faire ça. Mais ils ont mis plus d'options pour nos bases là, par rapport à avant. Là, je me souviens, c'était au Digi, j'ai construit une base. Je crois que j'avais, je sais plus combien de survivants. Oh là là, les bugs. J'ai dû avoir une vingtaine de survivants.
Ah, c'est super lié, putain. Bon, j'ai fouillé, tiens, en même temps. Au pire, je vous ferai peut-être un... Après cette vidéo découverte, je vous ferai peut-être un walkbook, mais que sur la trame principale. Je pense que le fait de vous montrer comment aller chercher ressources, ça doit pas trop vous intéresser. Si vous suivez un peu l'histoire, la trame principale, pourquoi pas, mais je pense que l'aérosource, c'est pas trop votre délire, quoi. Après, ceux qui aiment les Dizzy, pourquoi pas. Je pourrais faire quelques vidéos sur la capture des ressources, mais bon. On verra bien. Voilà, je vous fais encore un petit quart d'heure de vidéo. Si je vois que ça avance pas trop, je vais m'arrêter là, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à voir. Non, en ce moment, là, je sais. Un perso encore. Ah, c'est une infestation, putain. Ah, c'est chiant parce qu'il y a un paquet de zombies quand c'est comme ça. What's your status? We're all that's left of our unit. We could use some orders, sir. On va prendre un peu de ressources si on a. Ouais, un plat de cadavre, c'est sympa. Tic. Donc là, il n'y a rien. Et là, si je sors. Ouais, c'est. Oh. Bizarre qu'il n'y a rien là-dessus. C'est quoi ce bordel? 50 points. Il n'y a rien, ça c'est sûr. Tiens. Bureau dégagé, ouais, mais souvent les ressources. Il n'y a même pas un meuble, il n'y a rien du tout. Bon, ça c'est quoi ça? Ah, c'est un. Ah oui, merde, et mon perso est fatigué, bah, soit que je m'endors, soit je prends de la du Red Bull. Ah, ça c'est la base du jeu de survie, hein. Si votre perso est trop fatigué, il est beaucoup plus faible et beaucoup plus faible sur plein mal de choses. S'il se prend des coups en 2-3 baf, mon perso il meurt. Pour les coups, du coup ça dure moins longtemps. Etc. etc. quoi. Puis après il peut attraper aussi des maladies. Se transformer en zombie, tuer ses camarades dans la base, voilà, c'est balèze comme jeu. Hein. Mais bon, c'est pas comme un Daisy, enfin. J'ai jamais fait encore les désirs, faudrait que je le fasse. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Enfin, déjà que je connaisse bien le jeu, parce que je risque de me faire défoncer par les autres couillons là qui essaient de survivre. Quoi. This ain't the Hilton. Secure your trash and see ops for your duty assignments. Voilà. Quand notre perso, quand je vois que nos persos est fatigué, je change de perso. Ça c'est classe, quoi. J'adore. Donc je regarde ce qu'il a. Ah, il a un petit sac, lui, par contre. Moi, je retiens un pistolet, ça sert à rien.
Ah, le magnum qui dégage. Ça, c'est pareil. Je peux bien avoir autant. Par contre, il me faut des... Non. J'ai plus de... Ah si. Voilà. Donc, je vois que notre base commence... Oh, il y en a une qui est malade là. Elle a la fièvre, d'accord. Donc après il faut faire quoi? Notre petite bobase. Oh, une église, c'est sympa. C'est pas vraiment une église, je crois que c'est plus une salle de salle à manger qu'autre chose. Bon, faut faire quoi? Non, si on déconne, faut faire quoi, là? Je vais chercher des ressources, c'est tout? Ou faut que j'intercepte une horde? Ah, faut peut-être sauver un perso, là. Je joue sur le perso et puis après je vais peut-être arrêter sur cette petite vidéo découverte. Donc après je verrai si j'ai eu de l'influence au niveau de la vidéo, j'en ferai peut-être une vidéo d'étendue 2 ou un Walgrook sur la trame principale. Mais après on va, voilà, il n'y est pas encore, je verrai le nombre de vues que j'ai eu sur cette vidéo là. Ouais, comment dans une ville quoi. Ça, c'est classe quoi, putain. Milieu urbain comme ça. Ah d'accord, il y a un barrage là. Ouais, graphiquement ça se tient quoi, franchement. Mais bon, c'est des jeux qui ont des petits budgets. Et où est le perso? Il est en bas, en haut? We have a medevac down the road. We're looking for Dr. Julene Horn, Thomas Horn's wife. Ex-wife. Ugh, like it matters. Yes, please, get us out of here. So this is about Tom? I'm sorry, Dr. Horn. Your husband is dead. Ex-husband. Oh. Ex-mari. The brass thought you might know something about his research, something that could help us. I'm a surgeon. I didn't have time to listen to Tom's obsessive theories. He practically papered our house with... Oh, crap. You don't want me. You want his notes. The house isn't too far from here. I'll show you where to go. Attendre la maison de Horn. Ouais, j'ai écrasé ces putains de zombies. Allez, oust. Par contre, mon véhicule n'a pris un cul, hein. Hop. Aïe, le véhicule.
Putain. Don't tell me. That's your house? I didn't invite those people. Hey, I can help clear them out. I'm in the reserves. Trained at Fort Sam Houston. Outstanding. Dr. Horn, hang back for now. We've got this. Quand c'est une maison infestée, souvent c'est qu'il y a plein de zombies. Ah, tirez pas, bande de coups! Ça va tirer les zombies! Je sais pas si c'était fait exprès le coup de ralenti là. Enfin, le blue time, pardon. Ah putain, c'est celui qui a tiré les zombies, ça, là. C'est une merde, là, le crieur, là. Oh là là, bug de cohésion, c'est incroyable. Toi, tu as un coup de pompe là. Merde. Là, c'est malin, mais maintenant je vais attirer un paquet de zombies. Hein. Fait des efforts sur la musique aussi. Hein. Got him. We're good. Greyhound 1 to Black Friday. We're en route with Dr. Horn. Let Doghouse know we're ready for extraction. Roger that, Greyhound 1. Might want to hurry back. We're seeing a lot of movement around here. Why would that make us want to hurry back? No room for that. Je regarde si ressources là et puis après je peux y aller. Ah, des gros sacs surtout. Non, il y a que... No room for that. Bon, alors pis. Ouais, venez, suivez-moi, bande de gonzesses. Je vais chercher un véhicule là. S'il y en a un. Ouais, celui-là là, qui est en train de fumer. Là. C'est quoi, c'est à dire quoi, 3 là? Je sais même pas ce que c'est. Un triangle avec un 3. Greyhound 1, this is Black Friday. We have a visual on you now. You better double time it back to base. We have a situation developing here. Du infesté d'une heure de zombies. Je vois pas un zombie. Ouais, ils vont tous rapaper d'un coup. Je sens venir. Keep away from the gates, but stay where I can see you, all right? You get in trouble, I want to know about it. Sir, we've set up a watchtower where you can see the whole perimeter. Good.
We'll need more firepower than we have on hand. I'll take that position and call in fire support. GPS. Ouais, et... Ouais, ça, alors ça j'adore ça. Les libres volés mais ils arrivent à passer. Hein. Ah oui, ça je... Ça ils vont pas corriger ce qui me promène là aussi. Quoique, ah ouais, les libres volés sont pétés au-dessus, remarque. Beaucoup de balles, hein. Tiens, ouf. Ah, il est pas bon. Voilà. Et là, on a fini le jeu. Roger that, Black Friday. Better than we hoped for. Hold your position, wait for the next name on the list. You've been effective enough that I'm allocating some assets to back you up. Drone recon, airstrikes, they're standing by for you. Doghouse out. Sir, you may want to hear this. I picked it up over the radio. Hello, everybody. This is Vienna Cho, the last voice of Danforth. If you're listening, I'm here to help you survive. In case you didn't notice, the army pulled out of the city hours ago. They finally found a problem they couldn't kill, so they ran away. But you know what? I've got a police scanner, a ham radio, and a satellite phone. So if you're stuck, get me on the line and I'll get the word out. Together, we'll get out of here alive. You know, if we're close to one of our people, we might be able to bring him in. Bon voilà, c'est sur ces images que je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez découvert hein, ce DLC avec en grande impatience. Si vous avez aimé State of Decay. Bon, pour l'instant, moi j'aime bien. Enfin, j'ai bien aimé le State of Decay. Là, ce DLC là, c'est avec des soldats, mais bon, c'est dans la même logique que le jeu original, quoi. Donc sans grande nouveauté, mais sympathique à faire quand même. En plus il vaut pas bien cher, il vaut je crois 7€. Je l'ai eu à 7€ sur Steam. Donc ça vaut le coup. Enfin, je crois qu'il faut prendre le jeu plus le DLC. Alors si je dis pas de bêtises, faudrait que vous renseignez sur l'app sur Steam. Si c'est possible de prendre que le DLC mais pas le jeu en part entière. Donc voilà, je vous laisse sur cette belle peinture et je vous dis à la prochaine et peut-être une autre vidéo ou un groupe sur ce jeu là ou une vidéo détente ou un groupe, peu importe. Donc je vous dis bonne soirée et puis à la prochaine. Ciao ciao.